Hello à tous, c'est Chiara, j'ai le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, et dans cette vidéo, on va revenir sur ce qui s'est passé depuis août jusqu'à maintenant grâce aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc merci, n'hésitez pas à aller me rejoindre et nous rejoindre sur Instagram, le lien est en barre de description. C'est parti avec la vidéo. Mettre dans le contexte, du coup, août, ça a été vraiment un mois assez perturbant et assez important où, de toute manière, je n'ai aucun souvenir ou très peu de souvenirs de ce qui s'est passé en fait en juillet, août, septembre. C'est vraiment une période pour moi floue. Il y a des photos que je vois où j'en ai aucun souvenir. Il y a des conversations, je n'ai aucun souvenir. Et on va parler aussi, du coup, plus tard de ce que ça a engendré, cette sorte de amnésie par rapport à cela. Pourquoi je suis arrivé à ce stade-là, c'est à cause de pas mal de violences dans divers milieux, dans divers domaines que je subissais, et ça n'allait pas du tout, il n'y avait aucune stabilité, et c'est en gagnant un petit peu en stabilité, donc je vais revenir à cela plus tard de la vidéo, mais c'est en gagnant un petit peu en stabilité que les choses se sont un peu arrangées. Mais en tout cas, là, on parle vraiment d'une stabilité qui était à zéro. Pour en savoir plus sur ce moment précis, je te renvoie à deux vidéos que Noé a faites sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, en prenant mes notes, j'ai remarqué que celui-ci avait laissé une note. Donc Noé nous dit ceci. On ne savait pas où était Kiara. Malgré des recherches dans l'Innerworld, on ne le voyait pas. Parfois, on pouvait le sentir comme étant allaité dans un hôpital avec l'incapacité de pouvoir s'exprimer ou encore de bouger. Voilà. Par rapport à cette période-là, ce qui a fait que je suis revenu dans le système. Donc c'était très chaotique parce qu'à chaque fois que je revenais, j'étais en crise diverses et variées. Et je remercie vraiment sincèrement Noé et Angel qui ont permis tout simplement, qui ont évité des hospitalisations parce que clairement, j'ai échappé et on a échappé vraiment de peu plusieurs fois. Du coup, quand j'étais là, eh bien, j'étais pas bien, donc j'étais en crise, donc la situation était alarmiste. Et quand j'étais pas là, eh bien, moi, je n'avais pas de souvenirs et ça me faisait extrêmement peur. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience du trouble dissociatif d'identité, clairement, même si ça fait maintenant plusieurs mois que je suis diagnostiqué avec le TDI par un psychiatre. Je ne sais pas vraiment comment exprimer en fait cette sensation-là. C'est que quand je revenais dans le système, eh bien, en fait, moi, je ne trouvais pas ma place. Ma place avait été comme disparue ou je ne sais quoi, mais c'était très étrange. Donc je ne retrouvais pas ma place dans le système. Et le système réussissait quand même à avancer sans moi, mais c'était complètement galère et je comprends tout à fait. Déjà, nous et moi, on a deux manières de s'organiser complètement différentes. Et il y a eu un floutage, un remélange de rôles, de types, et c'est encore la cahue, le cohue, je sais même plus comment on dit, bref, il est tard, là, j'arrive même plus à parler français, mais cette réflexion-là, j'en ai fait un post Instagram et peut-être une vidéo, je ne sais pas, mais si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, aimez la vidéo si tu aimes ce genre de vidéo. Noé a réussi à faire une organisation par rapport à la licence qui marche plutôt bien, donc si tu veux une vidéo par rapport à ça, si tu as des questions par rapport aux études à distance avec le TDI et les autres difficultés d'apprentissage, autres troubles, etc. N'hésite pas à aussi mettre un commentaire et à poser toutes tes questions. Ça peut faire l'office d'une vidéo. Et du coup, ça a permis en fait de limiter la casse et de pouvoir avoir un suivi des choses parce qu'on se focalise vraiment là sur la licence et obtenir en tout cas la L2. Ce qui serait vraiment, en tout cas, le minimum pour les études plus tard à envisager. En prenant du recul sur la situation, c'est vraiment quand mon environnement est devenu de plus en plus stable. Donc, avec aussi donc la vidéo que je déménage, voilà. Donc, je te mets la vidéo en barre de description. C'est une vidéo super cool, super chouette, avec de bonnes vibes. Et parce que ce déménage, en fait, veut dire beaucoup et il y a beaucoup de projets qui va en découler de tout ça. Donc, je suis assez impatient et assez fier. Je te renvoie à la vidéo. Et voilà, c'est vraiment là où je me suis dit, bon, voilà, je pose, je cale, il y a le déménagement, poum, poum, et je rebondis.
Et ce que j'ai fait en amont, bah, ça va être quand même être ça de fait pour la suite. Néanmoins, actuellement, j'ai besoin d'un suivi. J'ai besoin d'un suivi parce que il y a une désorganisation, il y a un manque d'harmonie dans le système, il y a beaucoup de flashbacks, de traumas, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui changent. Et je n'y arrive pas seul, on n'y arrive pas seul, et du coup, on a besoin d'un suivi pour retrouver une autonomie, pour réussir à gérer tout cela, etc. Et pour le moment, on n'en a plus, voilà, on en a plus tout simplement. On a un suivi avec un psychiatre. Prendre des médicaments, ce n'est pas du tout obligatoire. Nous, c'est vraiment parce qu'on en a besoin, parce que sinon, eh bien, tout simplement, c'est catastrophique, c'est voilà, c'est je veux même pas imaginer comment ça serait. Il manque juste un suivi thérapeutique, un suivi avec une psychologue qui voilà, qui peut traiter des personnes système, de personnes multiples, de personnes plurielles, de personnes ayant un trouble dissociatif, une personne ayant du coup un trauma post-traumatique complexe et qui soit trans-friendly, du coup, vu que je suis une personne trans. Donc, je cherche côté Caen, Amiens, Paris, enfin voilà, dans cette zone-là, accessible en train, c'est la seule condition. Donc, si tu connais quelqu'un, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou bien m'envoyer un email, tout simplement en mettant comme objet psychologue. Voilà, et je comprendrai. Merci d'avance parce que je sais qu'il y en a qui le feront de partager le post Instagram où je poste tout simplement la recherche de bah, la recherche de psychologue. Voilà. Merci d'avance pour les personnes qui le font parce que c'est très important. Ouh. Et je vais terminer la vidéo par lire du coup ces quelques lignes. Le retour dans le système dont tout le monde faisait de leur mieux. Ouais, non, je vais pas lire. Parce qu'en fait, ça veut rien dire là ce que j'ai écrit. À mercredi pour une future vidéo et d'ici là, on se retrouve en story sur Insta.